question qui vient derrière, quelle image, quel visage la France entend-elle présenter au monde à cette occasion, c'est un grand enjeu pour chaque ville, pour chaque pays qui organise. Et les dernières semaines ici en France nous ont prouvé que c'était aussi pour nous en 2024. Plus précisément, depuis qu'un nom circule pour faire partie des artistes présents ce jour-là, celui de la chanteuse Aya Nakamura. Alors peut-être que vous ne l'écoutez pas tous les soirs chez vous, Aya Nakamura, mais elle est aujourd'hui l'artiste francophone la plus écoutée dans le monde. Un CV qui n'a pas empêché les critiques, les polémiques, les réactions racistes. Alors que raconte cette histoire? Que dit-elle des crispations de la société, de notre rapport à notre identité? On posera la question à nos invités, mais d'abord ce portrait de cette icône d'une grande partie de la jeunesse, signé Julie Patin avec Damien Labbé et Claire Chambon. Aya Nakamura, c'est une hit machine. La plus écoutée en France et dans le monde. Elle chante pas français, elle chante d'ailleurs pas étranger non plus, elle chante on sait pas quoi. Elle participe de la chanson française. C'est du n'importe quoi. C'est devenu un symbole malgré elle. Quand on dit mais qui écoute Aya Nakamura, mais en fait tout le monde écoute Aya Nakamura. Faites pas semblant. Aya Nakamura, elle s'appelle Aya Danyoko. C'est une chanteuse franco-malienne qui a grandi dans le 93. Elle vient d'une famille d'artistes. Sa maman était une griotte, comme on dit, c'est une chanteuse. Donc la tradition des griottes, ce sont des femmes et des hommes qui jouent lors des grandes cérémonies, des rassemblements. Dans sa toute jeune vingtaine, elle commence à faire de la musique et ses premiers titres, ils vont exploser grâce à Internet. Elle a commencé sur les réseaux sociaux, en postant des vidéos sur Facebook. À l'époque, c'était beaucoup Facebook. Retrouvez-moi ce soir au Garden Club pour un show de ouf. Donc voilà, je vous arrange. Ciao. C'est une artiste qui s'est construite toute seule. Comme on dit, elle a percé, en fait, grâce aux réseaux sociaux. À un moment, ça va dépasser les frontières de cette audience qui est plutôt très jeune pour atteindre le grand public avec le morceau Dja Dja. Et à partir de là, la machine est en marche. Et comme elle dit, poteau, la machine tourne. Poteau, la machine tourne. J'ai décollé, la machine tourne. J'ai pas changé, c'est toi qui tourne. J'ai décollé, la machine tourne. Oh, Dja Dja. Y'a pas moyen. Comme beaucoup de chansons d'Aya Nakamura, c'est une chanson qui parle d'amour ou de déception amoureuse. C'est de la pop, en fait. Dja Dja, c'est de la pop. C'est quelqu'un qui se revendique de la musique pop, qui va puiser des inspirations très variées, qui peuvent aller du zouk jusqu'au R&B, en passant parfois par le rap. Je dirais que c'est une couleur musicale de Aya Nakamura. C'est un peu un ovni parce qu'elle a créé son propre langage, elle a créé ses propres sonorités. C'est un mélange de là où j'ai grandi et mes racines, tu vois, où j'ai grandi dans la street et en même temps, à la maison, il y a de la musique africaine, tu vois. Et c'est ce mélange qui est fort. Aujourd'hui, on a plein de nouveaux mots tout le temps. Moi, quand j'écoute des sons des States, il y a plein de nouveaux mots. Tu vois, on n'utilise pas tout le temps le langage de Molière. Elle est branchée quand elle dit « j'ai un goumin », ça veut dire genre « j'ai un chagrin ». Encore une fois, ça, c'est un mot qui vient du nouchi ivoirien, qui est l'argot de Côte d'Ivoire. Elle est juste super à la mode, quoi. Ferme la porte, t'as la pouki dans le side. Bla, 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 ta pouki. Ferme la porte, t'as la pouki dans le sas. Pouki, pouki, pouki. La formule Aya Nakamura a permis à sa musique de dépasser les frontières de la France, voire même de l'Europe. Elle a vraiment des titres qui ont voyagé. TikTok, c'est vrai que c'est un accélérateur finalement de tubes qui se sont retrouvés numéro 1 aux Pays-Bas, dans le top en Malaisie, hyper entendus dans de nombreux pays d'Afrique, en Amérique du Nord. Et c'est du coup une artiste qui aujourd'hui fait des tournées internationales. Tous les titres qu'elle sort sont des tubes. Et quand tu mens comme ça,
Aya Nakamura, c'est plus d'un milliard de vues sur YouTube pour son titre Dja Dja. Aya Nakamura, c'est vraiment l'artiste française qui est la plus écoutée dans le monde entier. C'est une artiste qui est capable, par exemple, de remplir 3 Bercy en une heure. Il y a des grandes marques qui peuvent courtiser ces grandes figures à succès. Aya Nakamura est aujourd'hui une égérie Lancôme, par exemple. Elle est avec les plus grandes stars mondiales. La queen Aya Nakamura est dans Quotidien ce soir. Vous êtes la première artiste noire francophone à faire la une du Vogue Paris. C'est clair. C'est vrai. Jusqu'à Aya Nakamura, on avait eu des modèles de représentation de femmes racisées, mais aucune n'avait eu son degré de notoriété. Des notes dans le paysage musical français par sa stature, par sa façon d'être. C'est une très grande femme. C'est un peu une statue grecque. Moi, je dis souvent, on dirait une statue, Aya Nakamura. C'est une femme qui est sûre de son corps, donc qui affirme son corps. En France, on a quand même plutôt l'image pour les chanteuses du côté un peu baby doll, un peu ingénue. Nakamura, elle fait plutôt femme qui s'affirme. Je pense qu'elle dérange aussi un peu pour ça. On lui met beaucoup de poids sur les épaules. Elle doit représenter beaucoup de choses. C'est devenu un symbole malgré elle. Elle sait qu'elle peut être dénigrée par le fait que ce soit une femme et par le fait que ce soit une femme noire. Élue artiste de l'année, Aya Nakamura pourrait chanter à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques pour chanter Édith Piaf. La polémique autour d'Aya Nakamura va commencer à partir d'une rencontre entre Emmanuel Macron et Aya Nakamura. À partir de là, les conversations commencent autour de cette participation et on a des prises de position de toutes parts. Ah, c'est un choix, moi, qui me terrifie pour l'image de la France. Pardon, c'est parce qu'elle est noire ? Non, pardon, madame, ça n'a rien à voir. Elle chante pas français, elle chante d'ailleurs pas étranger non plus, elle chante on sait pas quoi. Les mots qu'elle utilise, le fait de dire un Dja Dja ou en Katiana Baby, tu dis ça, déjà ça sonne bien. Et la langue française, c'est une langue qui évolue. Clairement, on a affaire aussi à donc, du mépris de classe. Quand les gens parlent du fait qu'on comprend pas sa langue, en fait, oui, c'est de l'argot. L'argot, c'est la langue des jeunes, c'est la langue du peuple. C'est assez contradictoire de voir arriver le même type de critique sur Aya Nakamura pour la mettre en opposition avec Édith Piaf, alors que finalement, elles occupent des positions assez similaires. Édith Piaf, à son époque, elle-même avait été critiquée parce qu'elle utilisait de l'argot et que c'était une femme du peuple. Aya Nakamura est plutôt restée sobre dans ses réponses. Elle a répondu à quelques tweets. Et donc ce groupe d'extrême droite qui produit cette banderole qui dit « il n'y a pas moyen, Aya, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako ». Aya Nakamura qui va justement répondre assez directement « Vous pouvez être raciste mais pas sourd, c'est ça qui vous fait mal, je deviens un sujet d'état numéro un, en débat, etc. Mais je vous dois quoi en vrai ? Que dalle. Elle sait que ce qu'elle a, elle l'a mérité. » Donc qu'est-ce qu'elle vous doit ? Que dalle. Aya Nakamura est absolument pas naïve. On n'arrive pas à ce niveau d'excellence et de succès en tant qu'artiste lorsqu'on ne sait pas exactement ce que l'on est en train de faire. Mais ça va pas m'aider ta rêve, ouais. Un peu comme Lucky Dor, quoi. Il faut pas l'embêter. Si on l'embête, on le sent. Il va y avoir une deuxième réponse sous la forme d'un morceau. Donc quoi de mieux pour une chanteuse que d'avoir un titre qui sort. J'ai pas d'ennemis, moi c'est eux qui m'aiment pas. Un tas d'ennemis, mais je les connais même pas. C'est trop Aya Nakamura. C'est-à-dire que le fait de dire ça comme ça, qu'est-ce que tu veux dire derrière ? Pas grand-chose finalement. Voilà, portrait d'Aya Nakamura, regardé par nos invités. Si vous venez de nous rejoindre, l'historien Pascal Blanchard, l'écrivain et journaliste Pierre-Louis Basse, la directrice des sports de Radio France, Nathalie Yanetta, et la championne de judo, Madeleine Malonga. Vous avez beaucoup souri en regardant Aya Nakamura. Et vous avez même un peu dansé. Vous avez un peu dansé.